I want you to get together. Il s'appelle Pagayin, pas de croissant ballet. Et il apparaît dans, il est publié dans le magasin que je choisis le 25 janvier 2005. D'accord? Et ce petit test s'agit sur l'emballage des produits. D'accord? Mais on peut voir peut-être dans tous les textes une problématique, une question qui se pose. Au moins, je me pose la question, non? Quels sont les problèmes liés au packaging comme stratégie commerciale, non? Comme les problèmes relationnés avec les emballages. Bien, et je vais faire un petit plan. Je vais parler premièrement un problème, c'est par exemple les prix, l'augmentation du prix final avec les produits. Et aussi, je vais parler dans ma exposition des problèmes relationnés avec l'environnement dit au packaging, au emballage. Et finalement, je vais faire une conclusion et mon d'accord, sinon. Et comme on va commencer le développement, comme je viens de dire déjà, un des problèmes qui se pose dans les textes, et il est bien clair, c'est que si on fait des emballages plus jolis ou plus emballages pour faire des petites portions ou des portions individuelles, non? Maintenant il n'y a plus de personnes qui habitent tout ça. Et ça, il va augmenter le prix final du produit, parce que tu dois payer les produits et aussi les emballages. Et bien sûr, quelquefois, l'entreprise, ils vont augmenter en plus, parce que s'ils font des petits ou des spéciaux emballages, peut-être qu'ils vont vendre aussi les aspects, pas seulement les produits, mais aussi que c'est joli quand tu l'achètes. Et on peut voir des exemples, par exemple, dans les textes. Non, dans les textes, c'est très clair. Des exemples, par exemple, il fait la comparaison entre si tu l'achètes du beurre et un grand portion, comme normalement tu l'achètes, ou si tu l'achètes un mini portion pour individuel. Et il augmente le prix, par exemple, 48%. Mm-hmm. Et dans la parcelle, c'est encore pire parce que l'augmentation c'est de 126%. La différence entre si tu achètes le package normal avec l'espace de litres, 100 litres, ou si tu achètes dans petite portion, peut-être de 150 millilitres, quelque chose comme ça. Et aussi, dans ma carrière personnelle, je peux dire que quand j'habitais seul, finalement, mes achats de la semaine étaient plus chers que quand j'habitais avec une autre personne. Deux personnes, peut-être, j'ai eu l'impression que c'était moins cher qu'habiter tout seul, parce que tu achètes plus ou moins les mêmes choses, mais un petit grand et tu peux faire de la. Utiliser tous ensemble, non? Et sauver utiliser de l'argent dans de la partage. D'accord. Et comment on peut solutionner ou qu'on peut lutter contre cette augmentation du prix final? Premièrement, par exemple, si tu habites tout seul, premièrement, c'est tout, achetant des grands packages, si c'est possible, et stocker. Et tu peux acheter bien sûr, ce n'est pas possible pour tous les produits, mais dans les produits que c'est possible, d'acheter normal le package, et après, si tu ne vas utiliser, tu peux le stocker et l'utiliser plus tard. Mais bien, je ne suis pas, pour moi, l'augmentation du prix final, ce n'est pas un gros problème, ce n'est pas un grand problème, dans mon opinion, parce que grâce à l'augmentation du prix final, il y a de moins de personnes ou de moins de gens qui peuvent acheter ça. Et pourquoi ça c'est bon?
parce que si moins de personnes l'achètent, on crée de la création de moins de chèques. Parce que bien sûr, les packages, c'est des chèques. Après, directement, tu arrives au supermarché, tu couvres, tu coupes des choses dans le frigo et après, il va au poubelle. Et c'est, pour moi, ça, c'est pas un grand problème l'augmentation du prix final. Pour ça. Et ça, c'est très relationné avec les prochains points de programme de la marque, c'est l'augmentation comme le packaging, cette stratégie commerciale. Faites l'augmentation des chèques, ça veut dire que la nature est plus menacée parce qu'on a aussi plus en plus de d'ordures et dans la poubelle. D'accord. Et on peut voir ça comme j'ai déjà dit. Un exemple très clair, c'est dans la vie quotidienne. Parce que vraiment, après les supermarchés, quand tu dois acheter dans les normes de supermarché, et quand tu finis de mettre tout, la poubelle se plaint d'ordures, de déchets, de plastique principalement, non, de tous les emballages, de tous les packages qu'on a achetés. Et pour lutter ou pour faire une petite solution à ce problème, et bien sûr, la première mesure, ou la plus facile peut-être, pas facile, mais bien sûr, pas si compliqué, c'est recycler, d'avoir la maison, de faire une poubelle avec, pour le plastique, pour le papier, pour tous les différents déchets, et ça aide parce qu'après, ça. Normalement, si la ville fait bien, ces packages et ces plastiques vont être réutilisés. Non? On va les changer, les refaire et les vendre dans l'entreprise. Elle peut l'utiliser une autre fois pour un autre package. Mais bien sûr, la meilleure solution, c'est pas d'utiliser des emballages, pas des packing. Bien sûr, ça c'est difficile maintenant. Et si on achète dans les grandes villes, si tu achètes dans les grands supermarchés. Mais peut-être ce qu'on doit faire ou essayer de faire, parce que c'est compliqué, c'est d'acheter toujours avec notre propre sac. Pas seulement payer. Ok, beaucoup de gens le font déjà, d'aller au supermarché avec ton propre sac, et au moins tu n'utilises pas les sacs pour porter les aliments ou les choses que j'ai achetées au supermarché, mais aussi des packs de sacs pour mettre par exemple d'acheter des légumes secs et pas acheter un sac avec ton autre sac. Et il y a des magasins où tu peux acheter directement par kilo. Ou par exemple, si tu peux acheter la pasta ou les fruits, pas d'acheter des packages avec fruits, que ce n'est pas nécessaire. Les tomates, tu peux aller au marché traditionnel, tu peux acheter ça, et dans cette façon, et de cette manière, tu ne vas pas gérer ou créer si des déchets à la maison. Bien, comme une petite conclusion, on peut voir. Vraiment, les déchets et les emballages et par les parkings, c'est un grand problème, je crois, pour mon avis. Mais je crois qu'il y a aussi des solutions. Il y a des possibles solutions, c'est qu'on a parlé ici. Et peut-être la meilleure, mais aussi la plus difficile. Solution, c'est changer
changer la façon, de la manière de consommation. Comment on fait la consommation? Parce que beaucoup de fois, on consomme plus de qu'on a besoin, ou on dépense bien ce qu'on peut acheter ou pas. Et je crois que ça, c'est clé, c'est une clé, non? De changer notre avis, comment on pense à la consommation. Mais bien sûr, ça, comment on peut faire ça? C'est possible de changer la société comme elle fonctionne, comme elle travaille maintenant. Ça, c'est une question qu'on peut essayer de répondre. Donc vous m'avez dit que une des solutions, par exemple, ce serait si une personne vit seule, et comme vous m'avez dit qu'on a tendance à consommer, à faire baisser les prix si on achète des grands packs plutôt que des petits packs, qu'on pourrait acheter en grand et stocker. Mm-hmm. Non, c'est une solution, mais est-ce que c'est pas un petit peu une contradiction justement avec ce que vous me disiez à la fin de changer nos manières de consommer. On doit essayer de consommer moins, mais vous dites qu'une des solutions, c'est acheter en grand et puis après stocker, avec peut-être la possibilité de perdre le produit. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, c'est seulement c'est contradictoire par le fond. Oui, parce que ça, c'est peut-être une solution plus rapide. Pour maintenant, pour ne pas continuer de créer plus et plus de plastique, plus et plus d'emballage. Et c'est une solution qu'on peut faire maintenant. Et bien sûr, changer la vie ou comment on voit la consommation, ce n'est pas dans un autre jour. On doit faire un travail très lentement. Je crois qu'il va être très lentement. C'est pas, et ça, c'est aussi seulement pour, si tu veux, c'est une solution vraiment rapide et pratique pour un moment précis, et aussi seulement pour lutter contre l'augmentation du prix final. Cette solution, c'est pour l'augmentation du prix final, si tu veux, très concernant ou très... Tu ne peux pas payer les grands prix. Mais vraiment, ce n'est pas une solution à long terme. D'accord. Alors, parler aussi de une des solutions, ce serait un petit peu sensibiliser les personnes, changer notre manière de penser, de consommer. C'est qui est responsable de ça d'après vous? Est-ce que c'est nous directement? Est-ce que ce sont les parents? Est-ce que ce sont les gouvernements qui doivent s'en charger? Je crois que c'est nous. Et on doit réfléchir avec ce qu'on fait, comment on consomme, et on doit voir, on doit penser qu'est-ce qu'on veut pour le futur dans la planète, parce que vraiment ça c'est très relationné ou en rapport avec beaucoup de choses, avec beaucoup de problèmes dans la nature. Mais et ça, on doit penser comment on peut faire, on doit savoir d'où vient les produits, qui sont bien chers, et pas peut-être dans l'argent, mais bien chers pour les ressources de la planète, comme on fait de la consommation aujourd'hui. Mm-hmm. Et on doit faire une réflexion individuelle et aussi personnelle, mais aussi communautaire, je parle de la société. Et peut-être, je ne sais pas si le gouvernement, mais je crois que si on fait la réflexion individuelle et personnelle, après, on va essayer, ou maintenant, peut-être, de faire des mesures précises et dans ces chemins, no? dans cette direction. Et aussi, peut-être, si on fait cette réflexion, il n'y aurait plus des articles dans les journaux ou dans les magazines. Et ça peut aider à que des autres personnes commencent à penser à ces manières, à être conscience de que cette planète, c'est pas pour toujours, c'est pas
Donc, il y a un grand problème. Oui, oui c'est ça. Et donc, est-ce que vous pensez qu'on est suffisamment sensibilisé actuellement sur ces problèmes d'environnement? Non, je ne crois pas. Peut-être qu'il y a... Maintenant, on peut trouver qu'il y a des trains partout. On a la tournée à Bangère et on va recycler, on va... Et on fait petit chose, mais je crois que... On, je sais pas, peut-être moi aussi, tout le monde, on voit ça un peu loin, peut-être, non? Dans ta vie quotidienne, tu ne t'arrêtes pas à penser ça et tu le vois loin. Qu'est-ce que c'est quelque chose que oui, peut-être il va avoir lieu, mais il va maintenant, et oui, il a fait ces petites choses et c'est tout, non? Je me sens bien avec moi. Mais personnellement, c'est pour ça que je dis, quand on fait un enrichissement personnel profond, pour trouver vraiment pour être conscient vraiment de que ce n'est pas une chose que c'est pas concernant à nous ou concernant seulement dans un petit morceau ou brièvement. Non, c'est quelque chose que c'est là et il est en train de se passer, c'est dans le présent. I want you to get together.